Et salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test d'armes. Donc aujourd'hui on va tester la Sheva que je suis en train de faire en or et que je déteste. Voilà, c'est dit, je la déteste. C'est juste une des armes que je déteste le plus dans le jeu. Donc celle que je déteste le plus c'est le Highmaker. Donc je l'ai monté, j'ai fait la sans-tête mais j'ai pas encore monté en or. Sinon j'ai le KRM en or et j'ai l'Argus en or. Il manque le Bressy et l'Highmaker. L'Highmaker j'ai les sans-têtes, le Bressy j'ai pas encore fait les têtes. Voilà, donc sinon j'ai toutes les mitraillettes. Ouais, je fais un petit tour de ce que j'ai. Donc j'ai les mitraillettes en diamant, donc je les ai finies. Dans les fusils d'assaut, il me reste donc la Manohar, la Sheva. Je suis en train de faire la Sheva là, parce qu'elle se débloque plus tard. Et la M8, bah, je l'ai pas débloquée. La M8, je crois que j'ai même jamais joué avec, pour vous dire. J'ai monté la BRM, donc je l'ai en or la BRM. Je suis en train de faire la Dredge, mais bon, je l'ai mis de côté le temps de faire la Sheva. Poussiole dans le fusil mitrailleur, je crois que le plus tard c'est la Dredge. Elle se débloque niveau 28 je crois. Alors que la Sheva se débloque niveau dans les niveaux 40, 48 je pense, un truc comme ça. Je dis peut-être des bêtises mais elle se débloque tard. Mais je la déteste, j'arrive pas à jouer avec. Donc là j'ai essayé de mettre un viseur, donc ce viseur là, donc la Varix 3. C'est la première fois que je joue avec. J'ai fait une partie avec, j'ai fait 12 kills et je suis mort 18 fois, j'ai fait 12-18. Donc c'est horrible, je déteste cette arme honnêtement, c'est... C'est juste horrible. Donc mon ratio, il a un tout petit peu augmenté. Donc il était à 59, maintenant il est à 60 parce que j'ai beaucoup joué à la VMP. Enfin beaucoup. J'ai fait quelques parties à la VMP. Et quand je joue à la VMP, je fais des vachement meilleures parties. Bref, donc je vous propose d'aller faire une MME. Ah oui, non, les spécialistes, je les ai tous terminés. Il me reste juste les trucs top secrets à faire. Mais j'ai un souci. Donc là, je suis en train de faire le Firebreak. Et le Firebreak, ben voilà, je suis à tuer 6 ennemis avec le purificateur en une partie. Et je reste bloqué à 4 sur 6. Et j'ai beau refaire le défi. Et je compte les kills moi-même pour être sûr. Et à chaque fois, j'en fais à peu près 9 kills avec le lance-flamme, donc du coup le purificateur. Et ça ne compte pas. Alors, les 4 premiers, j'ai pas eu de soucis. Et les 2 derniers, ben, ça veut pas les compter. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, je fais les 9 kills avec le lance-flamme en une partie, ça compte pas. Donc du coup je suis passé à l'autre thermite, j'en ai déjà 2 sur 4. Mais depuis que je suis à la cheval, bah, j'y arrive plus à la faire. Donc ça j'ai fait avec la VMP, les 4 sur 6 et les 2 sur 4 avec la... J'ai fait tout ça avec la VMP. Bref, donc bah du coup, pourquoi j'ai lancé à de l'hardcore moi? Je veux pas de l'hardcore. On va quitter, hein. On va quitter, j'ai pas envie de mettre de l'hardcore. En plus c'est une partie commencée. On va pas faire de partie commencée, donc je... Normalement, je joue à domination pour avoir le temps de faire mon autre thermique. Là, je vais faire une MME pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais je vais quitter parce que je ne sais pas pourquoi ça a lancé de l'hardcore. Surtout que je viens de faire du. Je viens de jouer la stop pour faire une partie entre guillemets d'échauffement. Parce que c'était ma première partie de la journée. Oui, quitter. Et bon, si on tape dans une partie commencée, bah, je fais une ellipse. Je sais même pas si je termine la partie. Je crois que je la quitte ou je la terminerai. Je ne sais pas, on verra bien. Ouais, c'est une MME, ça dure pas longtemps. Je pense que je la terminerai. Mais je fais une ellipse, on se retrouvera dans le début de la partie suivante. Mais pourquoi ça a lancé de l'hardcore? J'étais en domination normale tout à l'heure, j'ai fait une partie. C'est là que j'ai fait les 12 kills, j'ai fait 12-18. Je me suis fait laminer quoi. Bon, c'est une partie commencée, on va regarder si elle est déjà bien commencée ou pas. Si elle est déjà bien commencée, je fais une ellipse, je la finis de mon côté et on fait la suivante. Donc je reste dans le même accueil, hormis si la connexion est foireuse ou quoi, mais bon. En MME en général, la connexion est normale. Donc ça devrait aller. Mais sinon, voilà. Donc je suis en train de faire toutes les armes en or. Je suis prestige sec aussi, niveau 52, je crois. Et si elle vient de commencer? Non, elle est déjà bien entamée. Donc je fais une ellipse. Et je la termine de mon côté. Je fais une ellipse. Et on se retrouve à tout de suite. Terminé. J'ai fait 4-6. Donc je me suis bien fait laminer. Je vais voir les 5 dernières parties. Je les ai fait à la Sheva. 2-15, 8, 2-14, 2-50. Donc ça va encore en fait depuis tout à l'heure. Mais non, c'est pas possible, 2-50. Ah, ça pas compté. Ah non, là c'est les 5 dernières parties en MME. Oui, pardon. C'est les 5 dernières parties en MME. Comme je faisais de la domination, bah, c'est pas vraiment mes 5 dernières parties à la Sheva. Vous voyez, là c'était à la M8. Donc à la M8, moi, bon, à la VMP. Donc j'ai fait 2-15, 8, 2-14, 2-50. Donc quand je joue à la VMP, ça va. Mais quand je joue avec des armes que j'aime pas, ça va pas du tout, quoi. C'est juste horrible. Dommage qu'on peut pas avoir, enfin dommage, heureusement qu'on peut pas avoir, parce que je crois que je fais quoi, je fais 1-14, je fais limite du positif quoi, c'est vraiment horrible. Et là ben, je viens faire 4-6, et encore les 4-6, j'ai fait 3 kills au RK, donc à mon arme secondaire, donc j'ai fait 1 kill à la Sheva. Donc pour vous dire, ça annonce les couleurs de la vidéo. Donc là j'ai fait 82 têtes, donc il me reste 18 têtes à faire avant de débloquer les autres défis. Je sens que pour les sanguinaires, ça va
va être tellement chaud. Je vous jure, je déteste cette arme. Mais c'est juste horrible, quoi. C'est la deuxième arme que je déteste dans le jeu pour l'instant. La première, donc, c'est le Haymaker. Le Haymaker, il tire du vent, ouais. Je vous le dis déjà, il tire du vent. C'est vraiment ça. La Sheva, ben. Il faut savoir que je rush aussi avec, il faudrait peut-être que je campe, mais j'aime pas camper, donc du coup je joue peut-être pas correctement. Non, c'est sûr que je joue pas correctement avec, parce que des fois je vois des gens qui jouent avec, mais il faut savoir aussi que je déteste les armes coup par coup. Les armes à rafale, les armes coup par coup, c'est pas du tout mon truc. Donc du coup, ben voilà. On ira voir, tiens, le ratio que j'ai avec cette arme. Donc je n'ai pas changé d'accueil, donc du coup c'est les mêmes, donc je vais sûrement me faire laminer. Mais bon, voilà. Donc je suis plutôt content de la partie que j'avais fait au couteau. Ben là, j'ai plutôt ragé, je crois. J'en ai vu aller par là, ouais. Tu me bloques, monsieur l'allié, là. Sauve-moi la vie, au moins. Ok. Ah, mais putain, je m'attendais... Pardon. Je m'attendais pas à ce qu'il soit à 3. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit à 3. Les deux, ça arrive souvent qu'il soit 2 à cet endroit-là. C'est quasiment... constant, mais là c'est pas une tête, quoi. C'est pour ça que j'ai mis ce viseur là, c'est pour faire des tests. Parce qu'avec le viseur de base, je fais aucune tête, et avec ce viseur là, ben, je fais aucune tête non plus. Donc en fait, ça ne change pas grand chose, mais bon. Mais pourquoi tu sauves ton allié, s'il te plaît? Je l'ai entendu, mais je voulais faire mon tir dans la tête avant. Je pense pas que j'aurais eu le temps de me tourner et de le tuer de toute façon avec la Sheva. Ok, je viens de me rater, mais complètement. Bah, allez, tiens. Vous voyez, je suis vraiment excessivement nul avec la Sheva. C'est juste horrible. C'est juste horrible. C'est scandaleux cette arme. En fait, cette arme, non. C'est scandaleux que j'arrive pas à jouer avec, quoi. C'est rare les armes que j'arrive vraiment pas à gérer comme ça. Faut savoir que je joue à Call of Duty depuis Modern Warfare 1, donc Code 4, qui est mon préféré. Ok, merci l'allié. Mon allié s'est tourné vers moi, il a pas vu l'ennemi quand même qui est en train de me mettre un coup de crosse. Moi je dis ça, je dis rien, c'est pas grave. Bon, j'aurais dû faire attention aussi, et je vais pas rager que sur mon allié, mais bon, mon allié aurait pu me sauver la vie, c'est ça que je veux dire. Bref, oh, je suis marqué par le truc. Je sais pas où il a activé son truc, j'ai pas vu sur la mini-carte. Est-ce que c'est lui là-bas? Mais c'est pas un headshot ça! Oh! Regardez, ça fait pas des headshots cette arme, c'est horrible! Les seuls headshots que j'arrive à faire, c'est quand je les contourne et que je peux prendre le temps de viser la tête, quoi. Bon, je vous promets pas que je vais jouer que à la Sheva dans cette partie. Enfin, je garde cette classe là, mais je vais peut-être sortir la R4 de temps en temps. C'est pas une tête ça, mais c'est scandaleux! Ouais. J'ai pas gilet. Ah non, j'ai mis sur cadençage pour faire mon autre thermique. Ouais, j'ai mis sur cadençage pour débloquer mon autre thermique plus vite pour pouvoir faire les 4 par partie. Pareil pour le purificateur, j'utilise surcadençage. C'est ce que je vous conseille. Quand vous faites les personnages, mettez surcadençage, c'est pour débloquer votre capacité spécialiste plus tôt. Et ils sont tous au même endroit où j'étais. Mes alliés, si vous pouvez regarder votre mini-carte et aller les tuer, s'il vous plaît. Ça, c'est un truc fou. Et souvent, les alliés ne regardent pas la mini-carte. Ou en tout cas, j'en ai pas l'impression. C'est juste horrible. Quand je joue en équipe, ça va. On gère super bien. Mais quand je joue. Et pas forcément parce qu'on annonce les ennemis, tout ça. Juste qu'on regarde la mini-carte, quoi. Moi je vous conseille, regardez, plus de 50% du temps, je passe mon temps à regarder la mini-carte, moi. C'est là que je... Ouais, il m'a one-shot. Gros calibre avec la manoir, ouais. C'est fatal, ça. C'est l'accessoire gros calibre, ils auraient pas dû le mettre. On a l'impression d'être un hardcore, quoi. Dès qu'il vous met une balle dans la tête... vous êtes mort, je crois qu'il s'est suicidé. Non, il s'est pas suicidé, lui. Il s'est pas suicidé, hein, si. Il y en a un qui est parti vers la gauche, je l'ai vu, mais j'ai l'impression qu'il s'est suicidé, mais j'ai pas vu dans la fuite qu'il était mort. Donc je ne sais pas trop en fait. Ah non, 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 il a utilisé ce spécialiste quand je l'ai... Enfin, c'est intelligent, ça part. Mais regardez comme ça corbe aussi. Ah, donc c'est pas con ce qu'il a fait, mais par contre il corbe, donc mec c'est pas classe. Bon, 17, honnêtement, si je fais une partie en positif, je suis content. Ouais. Bon, ça fait vingt fois que je vous le dis, donc vous devez le savoir, mais... monsieur, montre ta tête, s'il te plaît. Je suis prêt à parier que tu corps, alors montre ta tête, s'il te plaît. Ouais, je peux plus le voir, là. J'ai fantôme, normalement, ouais, j'ai fantôme. S'il y a eu un drone ennemi. Pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Mais... Les gars, s'il vous plaît, quoi, arrêtez de camper.
Il m'énerve celui-là avec sa main noire là. C'est vraiment. C'est pour ça que je joue pas beaucoup en MME. Mais enfin, si je joue énormément en MME, j'aime bien, mais je déteste la MME. C'est parce que ça campe beaucoup, ça campe plus que dans les autres modes de jeu. Ah, un headshot. Alors tu campes et dès que tu vois sur la mini-carte, tu. Ah, il m'énerve! C'est qui là? Je sais pas c'est lequel. C'est lui, je crois. En plus, il est prestige sec aussi. Prestige sec, il campe en MME, les gens. Ça, c'est classe. En plus, j'ai pas l'accessoire pour tirer à travers les murs, mais est-ce que ça passe quand même? Ça passe. Ça passe, mais il a bougé. Ça passe, mais il a bougé. Et en plus, on lui sauve. Enfin, on lui sauve la vie. On me tue dans le dos, quoi. Ah, les spawns sont n'importe comment. Ça veut dire qu'il y a des ennemis par là. Donc, nous, on va aller par là. Ouais, mes alliés spawnent par là. Vraiment une partie horrible, en plus mes alliés sont pas vraiment top hein. 17 c'est avec 12, voilà. Ouais. Donc déjà que je joue à la cheval, mais en plus si j'ai une équipe pareille, faut pas demander les gens. Oh wow. Hop, on va plutôt aller par là. Hein? Ça ne vous dérange pas les gens qu'on aille par là, non hein. Moi ça me dérange pas. Donc c'est que t'es comment Stéphane? Donc non, c'est le prestige A, il est... C'est listé Stéphane Asia, c'est sec. Encore pas, c'est pas mérité, mec. C'est pas mérité. Bon, 11, 10, je suis content. Eh. J'ai fait du positif, donc je suis content à la cheva. J'ai fait une tête en plus. Mais vous voyez, je déteste cette arme. Je la déteste. Mais bon, lui, on est d'accord pour dire qu'il mérite pas son 16 sec. Eh. Je comprends pas les gens qui aiment camper comme ça. Moi, je supporte pas. J'ai déjà essayé, mais. Non, j'y arrive pas. Je suis là, je me fais chier quoi. Non, non, j'y arrive pas. C'est. Tu t'ennuies! T'as rien à faire. Oh, t'as rien à faire, t'es là. Poum poum poum. Poum poum poum. Poum poum. Je sais pas. Je sais pas comment les gens aiment camper. C'est. Voilà. C'est comme ça. En plus, souvent, les campeurs ne font pas un bon ratio. Je sais pas, ils ont souvent un ratio en dessous de 1, donc je sais pas, c'est même pas utile de camper quoi, parce qu'ils arrivent pas. Bon, là il a fait une bonne partie, parce que j'étais pas à la VMP et parce que j'avais pas de grenade en ma classe. D'ailleurs, je vais mettre une grenade pour. Je sais pas pourquoi j'ai la flash, normalement j'ai une grenade. D'ailleurs, sur mon autre classe, je crois qu'il y a la grenade. Ouais, regardez, j'ai la grenade partout, sauf. Ah non, sur la dread, je l'ai pas la grenade. Voilà, la dread, je suis à combien? Oh, ok, je suis même pas à la tête. Ok, donc j'ai très peu joué avec. Par contre, j'ai le camouflage rouge du zombie. Le camouflage rouge du zombie, il est juste tellement stylé. Hop, donc voilà. Je vais aller voir. On va quitter l'accueil et je vais aller voir. C'est où qu'on voit ça? C'est là-dedans, normalement. Hein. C'est ça. Non, pas ça. Ça, alors. Non, pas les médailles. C'est comment on fait? Ah, voilà, ici, l'arme. Alors, la cheval, elle est où? La cheval. La cheval est là, donc j'ai un ratio de 1,33 avec 86 têtes. 86 têtes. Pourquoi dans mes défis je suis à 80? What? C'est que je l'ai ramassé par terre et que j'ai fait des têtes alors. Parce que là je suis pas à 86 têtes, on est à 83. 84, en tout cas, on est à 84. Donc bah, je l'avais ramassé par terre, j'avais fait deux têtes avec apparemment. Donc voilà, j'ai un ratio de 1,33 avec. Donc, ah oui, et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de qu'on fasse du zombie, parce que en zombie. Donc voilà, j'ai fait 60 matchs sur Shadow FV, les 46 sur The Giant. Donc dites-moi si ça vous intéresse, mais c'est des vidéos. Je sais même pas si je vais faire ça en vidéo. Je préfère faire ça en live plutôt qu'en vidéo, puisque c'est. Vous voyez, 60 et 46 matchs, c'est genre minimum 3-4 heures de jeu. Donc pour les 60 matchs, c'est à peu près 6 heures de jeu d'affilée, évidemment, on peut pas s'arrêter. Donc c'est très très long. Donc évidemment, faire ça en vidéo, c'est pas. Bah, c'est même pas possible, je peux pas faire ça en vidéo pour l'instant. Tant que j'ai pas mon PC, je peux pas faire ça en vidéo. Mais je peux faire ça en live évidemment, donc ça y a pas de souci. La rediffusion sera sur Twitch. Mais bon, c'est 4-6 heures de jeu. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc c'était le petit test à la cheval que je déteste. Donc du coup, bah, je vous dis à la prochaine et bye bye.